Le bien ou le mal ? Difficile de répondre. Pourtant, un jour quelqu'un a dit « Le choix et la conscience sont une seule et unique chose ». Malheureusement pour John, il allait vite comprendre pourquoi. Début du printemps à San Myshuno, mais également le début des élections municipales. Deux candidats se faisaient face depuis des années dans cette course au vote et ce combat acharné. Victor Feng et John Miller étaient des hommes complètement différents. L'un défendait le savoir-faire des ouvriers, adorait côtoyer ses citoyens et surtout était toujours en admiration face à la beauté de sa ville. Tandis que l'autre aimait l'argent à en perdre la raison, côtoyait de près la pègre et surtout adorait dominer d'en haut la ville qui était à ses pieds. Mais il fallait savoir deux choses sur Victor Feng. La première, il aimait sa femme Lily plus que tout au monde. Et la deuxième, c'était un fin stratège. Et si ses plans se voyaient être compromis par quelqu'un d'autre, il pouvait être très dangereux. Alors Victor prit les devants. Il élabora un plan avec le caïd de la ville, Moore Jones, pour évincer son ennemi définitivement de cette lutte qui, pour lui, était fatigante et inutile. En y réfléchissant bien, il fallait tout d'abord trouver un homme qui n'avait rien à perdre, mais tout à y gagner. Jonathan Saad lui paraissait être l'homme idéal pour la situation. En effet, ses compétences en filature, sa discrétion légendaire, ainsi que le mystère non résolu autour de la disparition de son frère, lui seraient bien utiles. Alors il proposa un marché à notre cher détective. Tout homme a sa faiblesse, n'est-ce pas? Alors, le maire de Willow Creek en avait forcément une. Victor demanda à Jonathan de travailler pour lui. Il lui ordonna donc d'épier les moindres faits et gestes, de jour comme de nuit, de la famille Miller. En échange de résultats, il lui promit quelque chose d'inestimable. Des réponses aux questions qu'il se posait depuis toutes ces années sur la disparition de son frère. Comment refuser cette offre? Alors, Jonathan accepta la proposition de Victor. Mais il n'eut pas à chercher bien longtemps. Car, voyez-vous, Claire Miller lui avait déjà facilité le travail. Avec toutes ces informations, Victor et Moore allèrent à la rencontre de John Miller. Ce n'était pas une visite de courtoisie, et il allait vite le comprendre. En effet, Victor fit une seule et unique proposition à John, se retirer de la campagne, ou alors être humilié publiquement. Moore ajouta à cela qu'il n'était pas en mesure de refuser l'offre, et que s'il tenait un minimum à sa famille, en particulier à sa fille Ashley, il n'avait pas trop le choix. Pour en terminer avec sa proposition, Victor sortit les preuves et montra que l'homme à tout faire des Miller s'occupait vraiment de tout. Alors, marché conclu? À ce moment-là, le monde de John s'effondra. Et avec lui, ses rêves de devenir le premier homme de San Myshuno. Il accepta donc, avec regret, de se retirer de la bataille. Quelques jours après le retrait mystérieux de John Miller des élections municipales, Victor rejoignit Jonathan au bar des docks. Il le remercia comme il se devait et lui dit que tout travail méritait salaire. Il lui dit aussi que s'il voulait des réponses sur la disparition de son frère Michael, il devait commencer par le début. Et celui-ci se trouvait à Evergreen Harbor. Là-bas, il y trouverait des réponses. Toutes les réponses. Maintenant, Jonathan avait un nouveau but, et surtout une destination. Il allait enfin découvrir la vérité sur son frère.
Alors, à la question du bien et du mal, ne pouvons-nous pas dire qu'il faut un peu des deux pour l'équilibre parfait ?